Avant le 11 mars 2011, quatre saisons à Fukushima, Gogyoshi. Le printemps. Une violette. De bon matin, au bord d'un chemin, un vieux couple regarde une violette tout en bavardant. Takizakura. Âgé de 1000 ans, le grand cerisier se dresse en pleine floraison contre le ciel bleu. Takizakura. L'été. Les rizières. La brise souffle. Des rides transparentes sur les rizières. Verdoyantes. Verdoyantes. Le crépuscule de l'été. Un lys tigré. Sur le chaume du corps de ferme, un lys tigré tremble délicatement. La lumière du matin. L'hiver. La feuille tombée. Mon cadeau pour vous. Une fillette approche et ouvre ses deux paumes sur un érable du Japon, une feuille rouge vif. Le grand feu, les bûches flambent dans la nuit, la neige fond sur la frange d'une petite fille. Après le 11 mars 2011, ma ville natale, Fukushima. Le vent a dispersé le césium dans tous les environs. On dit qu'il causera des cancers aux enfants et aux bébés. Après avoir hésité pendant quelques jours, j'ai décidé d'y retourner, car mon âge ne me permettra pas de contracter un cancer dû à cette radioactivité. Au mois d'août, je me suis donc rendue là-bas, en bus. Quand j'en suis descendue, les champs de Fukushima s'étendaient à perte de vue. Je ne puis croire qu'elle soit contaminée par le césium, ces rizières, verdoyantes, verdoyantes. Un après-midi, il a tout à coup commencé à pleuvoir. Sous la pluie, notre chat s'est précipité vers la maison de mon frère pour s'asseoir sous l'auvent. Notre chat ne sait pas qu'il lèche la pluie de césium sur son pelage mouillé. Un laitier habitait dans un petit village près de la centrale nucléaire avec sa femme d'origine philippine et ses deux fils. La famille était très heureuse puisqu'ils possédaient une quarantaine de vaches et travaillaient ensemble chaque jour. Il a construit une nouvelle étable pour gagner plus d'argent parce que leur fils était très jeune. Un cartable neuf avait été préparé pour la cérémonie d'entrée à l'école primaire de l'aîné, qui se déroule en avril lorsque les fleurs de cerisier s'épanouissaient autour de la cour de l'école. Mais il y eut cette explosion à la centrale nucléaire, suite au grand tsunami qui a frappé la région le 11 mars 2011. Le vent dispersa du césium à travers les champs, les forêts, les montagnes autour de son village. Les rivières ne furent pas épargnées. Le lait de ses vaches fut ainsi contaminé par l'eau qu'elles buvaient. Chaque jour, il dut jeter ce lait. Inquiet pour la santé de sa femme et de ses deux fils, il les fit partir pour les Philippines au milieu du mois d'avril. Ce fut avant la cérémonie d'entrée à l'école primaire. Il est resté tout seul et a continué son travail dans le village. Au bout de quelque temps, il a finalement renoncé et a rejoint sa femme et ses fils aux Philippines. Mais là-bas, il ne comprenait pas la langue et ne put trouver de travail. Donc il revint au Japon en mai. Il n'y avait plus aucune vache, ni sa famille dans le village. Le laitier
laissa ce message. Si la centrale nucléaire n'avait pas explosé, je ne me suiciderais pas. Quatre saisons à Fukushima. Le printemps. Au mois de mars, j'ai visité une petite ville près de la centrale qui a été frappée par l'immense tsunami l'année dernière. Une petite ville entièrement emportée, à l'exception de son école primaire qui comptait 2 étages. La plupart des maisons ont été entièrement détruites. Incapable de supporter cette vision, j'ai tourné mon regard vers la mer claire, comme si le tsunami n'avait été qu'une fiction, la mer du printemps. Enfin, j'ai visité Miharu pour contempler le Takizakura au mois d'avril. Il était magnifique, comme toujours. Levant les yeux vers le Takizakura, je lui ai dit du fond de mon cœur « Je regrette de n'être pas venu vous voir l'an dernier, mais je reviendrai désormais ici chaque année. » 1 millier d'années s'écoule dans le cerisier. Takizakura. L'été. Au mois de juillet, j'ai invité les enfants de ma parenté de Fukushima à la plage de Kanagawa pendant leurs vacances. Ils ne peuvent plus nager dans la mer aux environs de Fukushima à cause de la pollution au césium. Ils se précipitent, sautent par-dessus les vagues. Bonheur des enfants. À la mi-août, la ville ravagée par le séisme ne laissait plus entrevoir que les fondations des maisons et quelques herbes folles. Mais je distinguais de nombreuses formes noires et je m'en suis approchée. Les pierres tombales, renversées dans le cimetière. Lumière de l'été. L'automne. L'automne dernier, le riz de Fukushima contenait des traces de césium. Une année durant, les cultivateurs ont assaini les terres de leurs champs, de leurs rizières. La prochaine récolte sera pour le mois d'octobre. Que le césium ne soit plus présent dans le prochain riz. Dans un village proche de la centrale, l'école a organisé sa première fête sportive depuis le désastre nucléaire. Le taux de césium a beaucoup diminué. Cela se passait un beau dimanche de novembre. Les enfants courent et passent la ligne d'arrivée. Le ciel bleu d'automne. L'hiver. Au début de décembre, j'ai reçu une boîte de pommes rouges de ma ville natale. Sans me plaindre, je croque une grosse pomme. Au diable le césium. Mars est revenu à Fukushima. Mais il n'y avait plus d'habitants près de la centrale. Je marchais autour d'une maison détruite par le tsunami et j'ai vu quelque chose de jaune parmi les débris. La jonquille fleurit dans le jardin désert. Énergie paisible.